Fuis les passions de la jeunesse, dégage-toi des pièges de Satan. Tel est le thème autour duquel se sont rassemblés les jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire à l'occasion de la 8e édition du Camp biblique national du mouvement des jeunes et étudiants de la dite communauté. Un thème à travers lequel l'orateur, le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, a conduit environ 5000 jeunes venus de toutes les horizons de la Côte d'Ivoire et de l'international dans les conditions divines pour conserver l'héritage reçu gracieusement des mains du divin roi, le Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement que nous allons recevoir, the teaching we are going to receive, fait partie des conseils de Dieu, is part of the advice of God, donné pour rendre sage chacun d'entre nous, given in order to make each one of us wise, afin que personne ne perde son héritage, so that no one shall lose his inheritance, après l'avoir acquis gracieusement des mains du grand roi, after acquiring it graciously from the hands of the great king. Tu es béni. You are blessed. Je suis béni. I am blessed. Nous sommes bénis. We are blessed. La Bible dit que nous sommes déjà bénis. The Bible says that we are already blessed. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. With all kinds of spiritual blessings in heavenly realms. Tout ce qu'il nous faut, all that we need, c'est des conseils pour grandir, pour demeurer et grandir dans la bénédiction. Is advice for us to remain and grow in that blessing. Découlant d'un conseil donné par l'apôtre Paul à Timothée, son fils dans la foi, l'ordre de fuir les passions de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de la formation d'une armée de jeunes établis comme des modèles dans l'Église et dans la société et vainqueurs dans les combats spirituels contre la trinité satanique constituée du monde, du diable et la chair. Paul parle à son fils spirituel. He's speaking to his spiritual son, Timothy. Et il lui dit, and he tells him, fuis les passions de la jeunesse. Flee the youthful desires. Fuis les passions de la jeunesse. Flee the youthful desires. Alléluia. Praise the Lord. Pourquoi? Why? Parce que Paul, because Paul est en train de bâtir son fils. Is building his son up. Afin qu'il soit un vainqueur dans tous les combats spirituels. For him to become an overcomer in all the spiritual warfares. Afin qu'il soit un modèle. For him to become a model. Dans l'église et dans la société. In the church and in society. Il lui donne toutes sortes de conseils. He gives him all kind of advice. Ces conseils, these advice, nous réalisons. We realize que tous ceux qui croient, that all those who believe, et tous ceux qui servent Dieu, and all those who serve God, ou qui veulent le servir, or who wants to serve him, ont besoin de ces conseils. Need that advice. Donc c'est des conseils, so these are croyants advice ambitieux, of an ambitious believer. Ce sont des conseils, these are the advice aux hommes conscients de leur appel, to people who are aware of their call. Aux gens conscients de leur élection. People who are aware of their election. Ce ne sont pas des conseils aux païens pour qu'ils se convertissent. These advice are not advice to unbelievers for them to get converted. C'est un autre niveau de conversion étant déjà dans la course. It is another level of conversion being in the race already. Parce que la vie chrétienne, because Christian life, est une course, is a race, c'est un pèlerinage, it's a pilgrimage, c'est comme un examen. It's just like an exam. On peut utiliser beaucoup de figures pour désigner la vie chrétienne. We can use a lot of symbols to beaucoup design, d'images, a lot of images to talk about the spiritual life, the Christian life. L'apôtre parle ici comme parlant d'un grand malheur, un grand danger. The apostle is speaking here as talking about a great danger. Il utilise les mots forts. He uses strong words. Fuis. Flee. Il ne dit même pas résiste. He does not even talk about resisting. Les croyants sont habitués au terme combat, résiste. Believers are used to terminologies like warfare, resist. Tiens ferme. Stand fast. Ici.
here. They don't tell you stand fast. They don't tell you to resist. On te dit pas combat. They don't talk to you about warfare. On te dit fuis. They say flee. Fuis. Les passions de la jeunesse. The youthful passions. De l'exhortation aux jeunes à être des influenceurs saints, passionnés de Jésus et de son évangile, brillant pour Christ dans cette génération perverse, à l'établissement dans une vie de transparence envers les autorités spirituelles. Secret principal pour résister à la tentation et se dégager des pièges de Satan, le Saint-Esprit a, à travers sa parole proclamée par son serviteur, le pasteur Boniface Meynier, opéré une chirurgie transformationnelle et révolutionnaire dans le cœur des jeunes en les établissant dans l'expérience de la délivrance des passions mondaines et charnelles et dans la conversion authentique à Christ, marqué par une passion divine pour les choses d'en haut et un investissement total aux intérêts suprêmes de l'Évangile, et ce, dans la plénitude du Saint-Esprit et une marche dans la lumière, traduisant leur victoire sur le monde, le diable et son armée des démons ainsi que le moi.